Bonjour Jean-Christophe, merci de pouvoir répondre à cette interview pour Coiffeur Expert Business. L'idée de cette rencontre, c'est qu'on se connaît maintenant depuis une bonne quinzaine d'années et que c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec toi. Donc je vais te poser plusieurs questions et je vais te laisser surtout la parole avec la première question, 30 ans de coiffure. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est très simple, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'ai fait un cursus classique, apprentissage, jusqu'au brevet de maîtrise. Et puis après, je me suis déplacé, beaucoup bougé. Et puis j'ai attaqué après les mentions complémentaires. Et puis je me suis installé très jeune, à 22-23 ans. Puis après, j'ai repris des études en management. Et puis j'ai repris des formations en comptabilité. Jusque dans les années 2002, où j'ai décidé de développer des salons et de créer des concepts, de goûter à la franchise. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Jusqu'à une reprise aussi de société autour de la perruque. D'accord. Ouais. Donc, c'était venu très, très tôt, côté entrepreneur. Je suis fils de commerçant. D'accord. Dès l'âge de 9 ans, je tenais déjà la caisse avec mon père. Du coup, je baigne dedans depuis tout petit. J'ai souvenir d'une de tes remarques. Tu me dis, ouais, je crois que je ne suis pas assez bon coiffeur, finalement. Il faut que je fasse peut-être un choix. Je suis plus doué peut-être pour manager, gérer. Il y a deux styles de coiffeurs. Il y a les créateurs, les artistes. Et puis, il y a ceux aussi qui sont dans le management, dans l'entourage, dans la formation et surtout dans la pérennité du métier, mais de façon un petit peu différente. C'est dans la transmission. Voilà.